Love was the Myth or the Childhood of a Master, a film on Kalu Rinpoche, was premiered in Lyon, France on the 19th November and has been released in the halls of France from the 21st November. This film tells the story and destiny of a young Tibetan master who was born in 1990 and his journey of the 25 years of his life between traditions and modernity. The film is presented by Mona Lisa Production and was cinematographed by Bruno Wayne, Jean Masclo, Snafu Vaknovich and Avijit Sarkar, edited by Bruno Wayne and Jean Masclo. The creators of the film spoke on the film during the premiere. Previous Kalu Rinpoche, he said that, "And right now I'm an old man, but when I come back, I will have a personality of the tiger." Il avait à peine 2 ans lorsque de grands maîtres bouddhistes annoncent à ses parents que leur enfant est un tulku, c'est-à-dire la réincarnation d'un maître vénéré disparu depuis peu. À cet instant, son destin change. De l'enfant qu'il était dans l'Himalaya indien jusqu'au jeune homme qu'il est aujourd'hui, Kalu Rinpoche a fait un long et difficile chemin. I asked myself many times, am I really him? And then, what am I capable of? En 1992, lors d'une cérémonie au monastère de Sonada, le Dalai Lama a coupé la dernière mèche de cheveux qui reliait l'enfant au monde laïque. Giving your whole life, your experience, your time, your energy, your privacy, kind of not normal for me. The real teacher will get involved with the people and change the society without making a big image of themselves. I start to awake and I start to shake things up. What is so unique about me? There's nothing special. Sometimes I get sick, sometimes I need break, and sometimes I need love. Reincarnation in Call of Duty is very fast. So you just like, bam, you know, you just reborn. Et donc nous on a dû repartir et quand il est revenu pour faire couper cette petite mèche de cheveux, cette séquence importante du film, nous ne pourrions plus obtenir les visas pour venir et donc c'est Avijit qui est allé tourner sa séquence pour nous. Fortunately, I was there and I did the shoot and then they started contacting me by a trunk call. That there was no mobile phone that time. And I got many calls, and then they asked me what type of shot, what format, this and that. And that's when I got friendly with them. Then again, they came during the culture and we worked together again. Et voilà que après ça, voilà un lien d'amitié s'est créé entre nous. Et donc quand on se parlait par téléphone et quand ensuite on est revenu pour tourner les autres séquences de cérémonie, il est venu pour faire la deuxième caméra. Il nous a accompagnés et après, à chaque fois qu'il y a eu besoin, voilà, il a été tourner des plans avec ou sans nous. And certain parts of the film when they weren't able to come, like Karlipoli's father expired and all that. Those shots I did, and some shots in Bhutan. La cérémonie de l'incinération du père de Rinpoche, c'est pareil, il a fait la même chose. Donc il est vraiment une partie importante de l'équipe et du travail avec nous, du fait aussi de la confiance que lui accordait la famille de Rinpoche, qui évidemment n'aurait pas laissé n'importe qui tourner ses images, voilà, surtout à ces moments particulièrement importants. I'm a very small part of the film, but these are the main people who worked for so many years to get this film finally made, and now it's here. So I'm happy it's finally done after 26 years. Il est content, voilà, après 26 ans, parce qu'effectivement, souvent, il nous voyait pour d'autres raisons. Snafu vient tous les ans dans ces régions-là, donc moi, je passe de temps en temps. Donc, il nous disait alors le film, et puis on était toujours voilà, en train de monter, d'attendre une nouvelle séquence. Et donc, voilà, depuis 26 ans, il est content d'être avec nous ce soir. Thank you so much. Merci à vous. Thank you very much. News at 9 is very happy to be associated with the film and wishes for its success
and we are hopeful that the film will be released in India too.